Nicolas, bonjour. Qui c'est que tu me présentes aujourd'hui? Je vais te présenter mes amis Oscar. C'est qui Oscar? Oscar, c'est pas le film de Louis de Funès, hein, mais c'est deux très bons fumoirs de chez Barbecook, marque belge, qui font vraiment des très très bons produits. Ouais, on peut le dire, c'est un des best-of. Hein, Oui, au niveau justement du fumoir. Et là, vous avez vraiment les deux entrées de gamme de chez Barbecook, l'Oscar S et l'Oscar M. Donc, ils sont très similaires. Vraiment, la différence, c'est que le Oscar S va faire 80 cm de hauteur. D'accord. Alors que le Oscar M fait 1m10, un peu plus grand quand même. Il va avoir une grille de plus. D'accord. Et ici, donc sur le Oscar S, on va avoir une grille de 39 cm et une grille de suspension. Ok. Alors que sur le Oscar M, tu peux t'approcher, Denis, on va avoir deux grilles de 45 cm. Double étage. Voilà, double étage et une grille de suspension. Donc voilà, plus de capacité. De quoi faire plus de saumon fumé. Après, vraiment, les deux produits vont être identiques. Donc, je vais vous en présenter un. On est d'accord, Nicolas, on est sur des fumoirs mixtes, hein, à la fois chaud et froid. Voilà, on va pouvoir faire vraiment du fumage à chaud et aussi du fumage à froid sans aucun souci. Ok. On est sur des produits garantis 2 ans. Donc, pour un fumoir, c'est vrai. Acier émaillé. Très correct. Acier émaillé à l'intérieur et à l'extérieur. Le thermomètre, toujours vraiment vital quand on va faire du fumage. Que c'est le contrôle de la température est le plus important. Pour justement, si tu t'approches, Denis, tu vas pouvoir avoir l'aération. Donc, okay. Le système d'aération, on a 3 trappes comme ceci en bas. 3 arrivées d'air. Voilà, pour régler vraiment, filtrer l'air et régler le tirage. Et on va avoir une aération en haut aussi. Et ici, la trappe de fumage. Pour ajouter des copeaux de fumage en cours de cuisson sur sur le foyer. Et contrôler aussi le niveau d'eau. La bassine. Voilà. Ouais. Voir peut-être rajouter un peu d'eau en cours de cuisson si le fumage dure longtemps. Donc, attention par contre, voilà, Barbecook, on est sur une entrée de gamme. Donc, il peut y avoir parfois un petit jeu au niveau Il faut revisser de temps en temps la poignée à l'arrière. Donc, il faut la revisser de temps en temps. C'est pas très très grave, mais voilà, il faut le faire de temps en temps. On a, les produits vont être faciles à déplacer. Hein, comme si, 2 poignées, hein, sur chaque. Et si, pour préparer le foyer au départ, on a juste 3 loquets à retirer. Et là, on est sur la grille foyère. On va pouvoir faire son foyer de charbon. Le petit cendrier en dessous. Le petit cendrier en dessous. Okay. Et la circulation de l'air autour. Ouais, simple, pratique. Voilà, c'est vraiment une entrée de gamme. On est avec l'Oscar S à 149€. D'accord. Donc ça reste vraiment très raisonnable pour rentrer dans le monde du fumage. Tout à fait. L'Oscar M, on va être aux alentours de 200€. Donc là aussi, plus de capacité, ça reste très intéressant. Et on est vraiment, c'est nos produits préférés justement pour commencer le fumage. Donc, amis fumeurs, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.